C'est dans l'air la suite, nous évoquions ce soir le style présidentiel d'Emmanuel Macron qu'il veut lui-même jupitérien. Nous en parlons avec Nathalie Saint-Cricq qui me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions. Emmanuel Macron ne veut-il pas diriger la France comme une entreprise avec lui comme PDG et un DG et des directeurs ? Bah, il y a un peu de ça, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que lui a eu l'expérience du privé puisqu'il a travaillé dans une entreprise. On a souvent reproché à la classe politique de ne même pas savoir ce que c'est que l'entreprise alors que tous les Français ont connu ça d'une manière ou d'une autre. Donc qu'il y ait une volonté d'introduire des petites doses de privé, c'est-à-dire un peu d'évaluation, un peu de culture du résultat, un petit peu de fragilisation, de précarisation, pour pas, en gros, que tout le monde soit en train de profiter à la tête de l'État, c'est pas forcément mauvais. Après, faut pas exagérer avec ce genre de choses. Je pense qu'il a quand même un sens de l'État assez précis, assez profond. Mais c'est vrai que c'est un jeune homme mondialisé qui a vécu dans le privé et qui considère que finalement le privé a un peu de bon. Quand on voit l'histoire des autocars, c'est on libéralise un peu le marché et il considère qu'un peu de libéralisme, donc un peu de culture privée, ça fait progresser les gens. Donc le problème, c'est de ne pas aller trop loin, enfin, à mon avis. La popularité de Macron ne va-t-elle pas retomber très rapidement à la rentrée ? Écoutez, je ne sais pas, pour l'instant, elle est assez forte. Il a l'air de bénéficier d'un petit état de grâce, alors qu'on a vu que François Hollande, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça s'était cassé la figure à cause de trop longues vacances. L'impression qu'en gros, Jean-Marc Ayrault et lui faisaient du tricot pendant l'été au lieu de travailler. Nicolas Sarkozy s'était baissé assez vite. Là, oui, on va l'attendre au tournant. C'est-à-dire, probablement, il est servi par une conjoncture économique qui est plutôt bonne. Donc là, pour le coup, il a de la chance, même si finalement, il n'y est pas pour grand-chose. On va voir ses ordonnances, si ça passe, ou si alors il y a un cirque social terrible. S'il réussit à donner l'impression ou à réussir à faire évoluer un petit peu le code du travail, comme il s'y était engagé, sans que ce soit les gens dans la rue, et que la CFDT le soutient, là, je pense qu'il y aura quand même le début de quelque chose de bon pour lui, qu'on n'aura pas cette espèce d'effondrement qu'on atteint en général à l'automne avec une déception qui, quelquefois, est aussi ridicule que l'engouement qu'on avait. Bien sûr. Valls aurait-il fait un président jupitérien, normal, au bling-bling ? Alors, plus jupitérien, on l'a vu dans ses colères homériques et sa façon de, y compris de très très mal Emmanuel Macron, quand il lui parle comme ça et qu'on se voit, on pense à deux secondes après qu'il va lui donner une claque ou lui tirer les oreilles. C'est vrai que c'est un sanguin, Manuel Valls, donc je pense aussi qu'il a toujours, et c'est pas que je pense, c'est que je sais pour en avoir parlé avec lui, qu'il a toujours considéré que François Hollande était un peu mou, c'est-à-dire que quand Cécile Duflot lui parlait mal, il fallait mettre Cécile Duflot dehors et ne pas la rappeler au téléphone, que quand Christiane Taubira hésitait en disant oui, je signe la déchéance et finalement j'en veux plus, il fallait lui dire à un moment, bon maintenant tu pars. Donc je pense que la méthode Valls aurait été également jupitérienne, mais peut-être probablement trop jupitérienne avec à un moment donné des gens qui n'auraient pas supporté, parce qu'il y a Jupiter, c'est bien, et puis il y a le moment où on est autoritariste et où on crie sur tout le monde, et là, il faut quand même savoir un peu garder son calme. Et Jupiter, justement, il garde son calme, il ne se met pas en colère. Il est suffisamment légitime, enfin je ne l'ai pas connu, il est suffisamment légitime. Merci de préciser. Il est suffisamment légitime et impressionnant pour ne pas avoir à s'énerver, pour donner des ordres. Et c'est ça le vrai charisme et la vraie légitimité. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cricq. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air.